Et tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne et dans lequel nous allons conquérir voilà, les petits pays du sud de l'Europe parce que faut pas déconner non plus. Tout ce qui est Parne, etc. On va conquérir l'État. Parne Modène, oui, allez hop. Ouf, oh, c'était violent d'un coup là, ils se sont fait bien entourer les pauvres, ils ont pas compris ce qui s'est passé. on a pas mal de constructions en cours, donc ça c'est bon. Pétrole en Louisiane, mais c'est pas chez moi, pas encore. Ça le sera un jour. Ah, c'est le but. On est en 82, on a fait bientôt la moitié du... Comment ça s'appelle? De la campagne. Ça me va. Et là, on propose un oléoduc. Ça, c'est bien. Alors oui, ça va demander un petit financement. Mais ça donne plus d'infrastructures, en vrai. Je suis preneur. La France soutient Parne. Tiens, non. Oh, bah, j'aime bien, moi. La France soutient Parne. Faire un petit fantoche. Le Modène. Et est-ce que je peux libérer quelque chose de la Corse, la Bretagne? Ouais, mais non. Enfin, oui, mais je devrais, mais. On va conquérir l'Alsace-Lorraine. c'est le dernier truc qui manque pour la Grande Allemagne, quand même. Faut pas déconner, quoi. Ouais, l'Alsace-Lorraine. Je pourrais même prendre la Franche-Comté, en vrai. Le Maroc. Ok. Pour tous ceux qui joignent au Modène, je vais aller chercher, c'est pas un problème. Voilà, on est en grande supériorité numérique. On est 1734 contre. Putain, 1734 contre 203. Tu m'étonnes quand on est en supériorité numérique, quoi. Là, le prince, tu vas aller défendre là-bas. Oh, quoique, même tu peux aller attaquer en vrai. C'est mon prince qui meurt, c'est pas un problème. Bon, effectivement, je suis en pause, mais... On va avoir pas mal d'informations. Hop là. Là, ils ont trop de fonds de façon à défendre, ils pourront pas, ils pourront pas. Bon, y a pas mal de gens qui sont en train de rompre les unions douanières avec moi, c'est pas grave, on ira les chercher. Ouf, purée. Ça c'est une belle union douanière. Brandebourg, l'accès au marché, oui non mais c'est normal. C'est totalement normal. Le chemin de fer est en train de se faire, ou alors en train de recruter, au choix. Voilà, il va se faire bientôt dans 36 semaines. Caoutchouc découvert en Zanzibar, très bien. Les caoutchoucs découverts en Zanzibar encore, très bien. C'est vrai que je dois mal m'entendre en plus avec les pays à côté. Il y a le Voya là, la vache. Comment ça se fait? Ok, oui, les administrations gouvernementales. C'est parfait, ça m'en refait alors que ma bureaucratie baisse. Ok, bon bah finalement, ils ont pas renoncé. C'est bien, ça va me faire une grosse conquête là. D'ailleurs, je viens de voir, mais j'ai un amiral qui a passé l'arme à gauche. Pierre Chevronné. Oh, il est bon celui-là. Il fait partie de la petite bourgeoisie, mais il est bon lui. Ah ouais. Hop là. Alors, on est contre Parne, on est contre la France. Hop, donc toi d'ailleurs, invasion de la... On va faire une deuxième invasion, une en Normandie. Et une
Une en Pays de la Loire. Hop. Je vais le mobiliser, lui, je vais lui demander d'aller là. Lui, je vais le mobiliser aussi, je vais lui demander d'aller juste au-dessus. Ensuite, je sais plus contre qui, le Maroc. Ah oui, c'est vrai. Je ferai un petit débarquement au Maroc, sûrement. D'ailleurs, j'avais envoyé du monde, il me semble, au Maroc. Hein. C'est bizarre que... Pourquoi ils y sont pas allés? C'est pas grave. Est en train de tomber, la Modène et Parne en plus, les deux. Les Lucs ont rien dit, je crois, il me semble. Je sais plus. Ouf! Ah ouais! Organiser l'agriculture, ça c'est bien. Distribuons le surplus de nourriture aux pauvres, bah c'est clair. Hein. Bah, pas photo. Hein. Faut pas déconner. Hein. Oh, le nombre de violalistes qui augmente. On a quand même beaucoup de radicaux aussi. Hein. Dû aux conquêtes, je suppose. Ouais. Un peu. Pas tant que ça au final. Attends, quoi? Y a personne pour défendre ici? Putain, mais j'étais persuadé qu'il y en avait. C'est pour ça que j'ai pas lancé d'assaut, moi. Attends, quoi? Oh la vache. Attends. Oh, je tombe des nues. Hop, ok, j'ai un général qui peut être recruté. Wouah! Wouah! Wouah, mais c'est des fous! Ce sont des fous furieux, les mecs. Oh. Les fous furieux. Ouais, forces armées, je préfère. Allez. Plutôt que les syndicats de travailleurs. Pas contre vous, les mecs, mais bon, un petit peu quand même, quoi. Promouvoir mon ami, tu vas voir toi. Allez, on va mobiliser un maximum de troupes, toi. Oh, il est détesté lui. Ouais, mais il a quel âge? Oh, il est jeune en plus, dommage. C'est pas grave, allez. On va prendre ce front. Ça va lui faire drôle. Déjà que j'ai des débarquements là qui se font un peu partout. Oh la vache, ouais. Allez, on a fait tomber l'Alsace-Lorraine en un tour. Là. Enfin, en un tour, en un coup, quoi. Vache. Bon, Limousin. Franche-Comté, pardon. Pff, Limousin ici, oui. Oh, ok, on est débarqué dans la Manche. On a tout ce qui est Poitou, une bonne partie de la Loire, une partie de l'Orléans, une partie de la Bretagne. Mais ils sont où, les Français? Pourtant, ils ont des bataillons. Je sais pas. Je sais pas où ils sont. Alors là. Ok, on est en train d'aller. Bon, on a pris Fès, non? Ah, il semblerait. Je sais pas où ils sont. Hein. C'est... Il y en a un là. Ils ont tous péri leurs vacances en même temps? Ou ils font grève? Je sais pas. On va annoncer dans notre coup diplomatique contre l'Occitanie. Bah. Ok. Oh, la Grande-Bretagne révolutionnaire! Mais oui!
Oh, c'est ballot ça. Pour on est désactivé. On a bien la même professionnelle. Un petit policier spécialisé, ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, là, il me faudrait moi une position proportionnelle, mais bon, on l'aura plus tard. Ça c'est bien, ça c'est bon. Bon, ça va. Et ça me va. Bon bah, rapide et efficace, j'ai l'impression. Ça va me faire 3 fantoches en plus. Le Modène, le Maroc, Parme. Avec 2 territoires en plus piqués aux Français. C'est cool. Voilà, le Modène. Ici. Ah, j'en ai fait un état fantoche de le conquérir. Je suis bête. Je l'avais dit en plus, je l'avais dit. J'avais dit de pas faire ça. La culture inefficace. Ouais, on vient de tout mécaniser, on a des tracteurs et tout en 1883. Nous embête pas. Hein. Ah! Attends quoi? Pourquoi il n'y a plus personne d'un coup? Mais pourquoi ils sont tous foutus là-bas? Comment ils sont arrivés là déjà? Il n'y a même pas de lien. Les trucs des fois c'est magique quand même. Allez, retourne là. Continue ta conquête. Voilà. On a un navire de débarquement. Cinq ans, ça fait beaucoup. Quelques mois, je préfère. Hop là. On a Parme, les mini allemandes. On incorpore. Impeccable. J'ai plus de construction en cours. J'en ai presque plus. On croit un gros besoin de charbon et de plomb. Ok, bon. Charbon, charbon, il y en a par là. Ok. Ouais, je vais avoir besoin d'en faire une trentaine. Charbon. Et du plomb. J'en ai ici, c'est bien. J'en avais là, je crois. Non, j'ai mal vu. Ici. Ok. Je dois continuer de faire des voies ferrées. Enfin, des usines d'automobiles, quoi. Hop, 3. On va faire ça aussi. Voilà. Ils sont revenus, ça y est, ils ont compris. Mais bon, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin de Paris. Moi, s'il y a besoin, là. Je vais faire avancer le front. Voilà. On va ramener d'autres généraux. Ils vont faire leur taf. Ouais, ça je m'en fiche. C'est vrai qu'il reste encore des territoires à coloniser, mais j'ai pas d'accès. On va laisser l'anglais faire, on va tout lui prendre. Hop là, voilà, là c'est pas mal. Là. Je me fais battre. «
21 contre 40 au début, ouais. Ouais, compliqué. Hein. Même s'il subit plus de pertes. Compliqué. Bon, au moins là, on a la bataille pour Paris, normalement. Au moins, pas très loin. On lui en a piqué un bout. C'est bon. Ça suffira. Bon, là, on va perdre ce morceau. Ok, on lui a pris l'Alsace-Lorraine. La grande Allemagne. La grande Allemagne, les gars, ça y est. Et quoi en Alsace-Lorraine? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bassin houiller de la Sarre. Ça nous augmente la production de charbon. Je peux vous dire, il va y en avoir du charbon là-bas. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Faire 10 voies ferrées. Voilà. Et on va faire ça. Bon. Faut pas oublier non plus. On va tout mettre pareil. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Non, ça m'intéresse pas. On va faire ça bien. Bien sûr, ça, on est en engrais chimique partout. Tour mécanisé. Ça, vous vous débrouillez. Montopompe, condensation, dynamite. Voilà, ça, c'est au max. Irrigation. Il n'y a pas de charbon? Ah, si, c'était le premier, ok. Hop là. Ça, comme ça. Ouais, non, le pétrole n'est pas encore assez cher. On peut se permettre de dire ça à l'époque, apparemment. Puis maintenant. C'est un peu plus compliqué. Usine chimique. Non, il y a un bon prix, là. Ah, j'en ai si peu. Ok. Ouais, ça on met comme ça, faut pas déconner. Vêtements de luxe, on sera bien. Hein. Ouais, c'est bon. Métier tissé, voilà, on automatise tout. Et administration gouvernementale, comme ça, ouais, faut pas déconner non plus. Hop là. Ce qui fait qu'il nous reste juste le Maroc. Voilà, bon, là il y a tout le monde qui y va, donc... Ah, pas tout le monde. Une bonne partie des gens qui y vont, mais... de nos troupes qui y vont, mais pas toutes. Pas toutes. Ah bon. Ça va leur faire bizarre quand même, les pauvres. C'est qui ça? Compagnie des Indes orientales. Ah ouais. C'est vrai. Les Lucs, on pourra pas puisqu'on est en trêve avec eux. Ah, c'est un protectorat? Ah ouais, j'ai fait ça moi. Ah mais non, c'est parce que c'était l'Italie qui avait... enfin, les Lucs étaient un protectorat de l'Italie. Non mais c'est pour ça. Ok. Faire du pays, faire du Maroc un pays fantoche, c'est fait. On va continuer, conquérir l'État. Bulgarie, Allemagne. Hop, hop, voilà. Personne là? Ah ouais. Bon. Non, ça me tente pas du tout. Sauf si vous intégrez mes territoires, mais à mon avis... Ok, ils sont en train de rompre mes zones douanières là. Ça va pas le faire, j'irai les chercher après.
Construction, on est bon. Là, ça devrait leur faire peur, non? Quand même. Décision politique, ok. Bon, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça. Faire un pays fantoche. En grève. Oh là! Ça y est. On l'a fait à la française. Votre préoccupation. T'as son attitude. Oui, ça vaut le coup. Par contre, là, c'est compliqué. Les grèves doivent être réprimées. On ne veut pas de grévistes. Après, ça fout le bazar. Esprit brisé. Ils ont appris à craindre la matraque, putain. Pardon. Bon, après ce qui vient après une grève, c'est une révolution, donc c'est pas ouf. Alors se méfier quand même un petit peu. Parce que quand les grèves, ça sert à rien. En général, ça monte un peu plus. Moi j'attends que ça, hein. Deux territoires pour le prix d'un, les mecs. Allez-y, viandez. Viandez ma bande, comme on dit chez nous. C'est quoi ça? Négation due. Ok. Et diplomatiquement, je m'entends bien avec qui? Ah zut, c'est pas là. Négation. Je sais qu'il y a un truc qui est fait, mais. Je dois me tromper. Refusant de négocier avec les syndicats, le gouvernement a proposé de mettre des mesures visant à mettre fin à la grève. Ok. La République britannique, oui, bah oui. Alors, ils ont annoncé. Ce qui fait que ça, c'est à nous. que eux. Ah oui, je peux. Enchaîner. Allez, on va leur faire peur. C'est bim. Devrait vite renoncer. Hop. Partout où j'ai un front vide, j'y emmène du monde. Quoi, ils sont aidés par la Grèce, c'est ça? Oh oui, c'est gentil. On fait un pif fantoche. Grèce. Conquérir l'État. Albanie. Voilà. Et eux, ça a bougé ou pas? Parce que tout à l'heure, là, déjà, c'était. Non, c'est ça qu'il me fallait. Ouais, ça a bougé. Ok. C'est-à-dire que je pourrais le conquérir un jour. Je ne sais pas quand, mais un jour. Petite carte quand même bien sympa. Hein. 84. 48 ans.
population qui augmente, mais un peu moins stabilisée là, mais elle a quand même bien augmenté. Là, je peux pas encore aller chercher. Là, on a du monde sur tous les fronts. Ils vont pas être sereins. Tu m'étonnes, en même temps, ils ont pas. Ils ont des troupes quand même ou ils en ont pas? Attends, mais. Ah ouais! 16ème! Pardon! Mais attends! Comment ça, 16ème? C'est pas normal! Ok. Ah eux, ils sont 2ème, tiens. Va falloir que je leur taper dessus un moment. Ils ont renoncé, très bien. Donc la Bulgarie a renoncé. On va conquérir l'État ici. Conquérir, conquérir, conquérir l'État. Hop là. Malte a renoncé. Malte? Mais je les connais pas les Maltais, moi. Voilà. C'est pas mal hein, déjà tout ça. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. On a bien avancé cet épisode. Mais il n'est pas encore fini. Bientôt, mais pas encore. Mais là, ouais, ouais, on a vraiment pas mal avancé. Hein. Eux, ils sont... Ok. On a régaliste. Oh non! Almodène. Ah, j'en étais sûr qu'il fallait pas que j'en fasse un pays fantoche. Voilà ce que ça me coûte. Bon, allez, vas-y, le prince. À chaque fois, ça me fait ça. Essayer de limiter le nombre de pays fantoches là, donc on va aller chercher tout ce qui est Serbie, Valachie, etc. Je crois qu'il va pas avoir le choix. Soutien de l'Albanie. Oh, les mignons, les mignons de la France. Tu te souviens de ce que t'as perdu toi la dernière fois ou comment ça se passe? Oh! Oh oui! Oh bah oui! Oh bah oui, oui, oui! Oh! Ah bah alors là, si ça passe. Ouf! Ouf, si ça passe, ouf. Si s'il abandonne pas, si l'Albanie abandonne pas, je suis. Je suis refait, mais je suis tellement content. Bon, ils sont très inquiets. Ce pays est très pessimiste. Tu m'étonnes. Hop, ah, je vais pouvoir faire de nouvelles fabrications. Alors, voyons voir. Oula, j'ai vu que l'électricité, c'était... Ouais, je vais pouvoir refaire ici, c'est bien. Comment ça me prend 150 000? Ah ouais? Pour 30? Ça fait 50 000 les 10 niveaux? D'accord. Bon. Bon. Et j'ai vu que c'était en charbon, donc je vais les changer. Et je vais les mettre tous au fuel. Voilà, ça devrait m'augmenter ma production. Et ça me fera consommer un peu de fuel. C'est tant mieux parce que j'en ai beaucoup. Oh la vache. Ouais, les accès qui sont pas dingues. Hop, Franconie. Ah, je n'en ai fait que 4. Ah, j'ai dû en faire un, là, j'ai dû... ouais, ouais, j'ai du mal à... Wittenberg, je sais plus si je suis allé... Non. C'est en recrutement, mais au cas où. En Bosnie. Hop, on va en mettre 4. Allez-y, les gars. En Alsace-Lorraine. C'est en cours de recrutement. Allez, suspense, suspense. Est-ce qu'on va avoir une chance de faire de la France un état fantoche? Puis bas radicaliste. Ah purée. C'est pas le moment. Bon, et puis on va annexer tous les petits pays. Hein. Prochain épisode, on va annexer tous les petits pays parce que là... Ça commence à être embêtant. Ok, on a pris l'Angola. Non, c'est... Non plus. Merci.
chaque fois, c'est là. Hop là, on a l'angle là. Comment évident ici? Oh, c'est une petite baisse de la population quand même. Si on voit la population au niveau de l'Allemagne. Oh, oh ça c'est bon. Oh ça c'est bon. Ah oh, bah alors là c'est bon, je suis refait. Hein. Hop là, allez hop. Invasion navale. Double invasion navale. C'est bon. Hein. Écoutez. J'en demandais pas tant, mais je l'ai eu quand même. C'est magnifique. Modène radicaliste. Oui, bon, ça va vite. Ouais, tu vois, ça va être vite fait ça. On est là, on est coucou. Comment allez-vous les gars? Est-ce que pareil, vous avez embêté mon copain? Bah, c'est bloqué. Voilà, bon, voilà, c'est déjà en train de tomber rapido. Là, j'ai juste à tenir. J'ai pas besoin de. Pas besoin de m'embêter. Hein. Quel Bibar renoncé. Ils ont capté leur bêtise. Hop, toi, vu que tu ne sers à rien, tu vas aller là. Toi, c'est bien. J'ai encore pas mal de troupes en plus de dispo. Je vais voir si je peux recruter. Ah non, pas tant que ça en fait. Que j'ai su d'Allemagne. Ouais. Oh, putain, mais il y en a 130. Il y en a 130 avec lui. Et c'est pas du recrutement levé à la hâte en plus. Enfin, ce sont des vraies troupes. Ok. Propagande. Moins 100% de perte de morale, ça c'est pas trop mal. Ça m'intéresse pas. Propagande pour le moral. Ouais. Papier qui est un peu cher. On offre en Autriche. On va pas en mettre plus de 20. En infrastructure, on aura ce qu'il faut. Oh, le pétrole qui commence à devenir cher par contre. Très bien, très bien. Ça, c'est une bonne chose. On va en faire partout où l'on peut. Hop, des ports de chasse à la baleine. Tant qu'à faire. Non, c'est pas bien, ne chassez pas les baleines pour de vrai. On est d'accord. Il ne faut pas chasser la baleine pour de vrai. Ça n'est pas du tout une bonne idée. Après, on se demande pourquoi il y a beaucoup de plancton en mer. Bon, ça, j'en sais rien en vrai. Ça, je dis une connerie comme ça, mais non, non, chassez pas trop les animaux. Évitez quand vous pouvez, quoi. Hein? Ah, mais non, mais. Ça y est, Portugal encore, quoi. Et bon, si vous aimez bien la viande, moi je vous propose la solution. Très simple. Hein. Voilà. C'est égorger vous-même vos poules. Ou du moins, tuer vous-même votre viande. Préparez-la vous-même, dépecez-la, etc. Là, on verra ceux qui vont continuer à manger de la viande. Alors moi, je mange de la viande, hein, y a pas de problème. Mais connaissez au moins ça. Et vous verrez que la consommation, elle sera... Ça serait un peu baissé. Déjà sur le coup, ça va vous faire peut-être pendant quelques jours, vous verrez plus pareil dans votre assiette, quoi. Non, je vous conseille, c'est une bonne expérience, franchement. Voilà, vous allez égorger votre poule ou aller mettre un plomb, hein, au pire, hein, en fonction de ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir, c'est très instructif. Bref, allez, on va essayer de faire en bas.
C'est même pas essayé, ouais, c'est allé plus vite que prévu. On va juste bah, faire tomber. Faire fantoche chiser la France et puis on arrêtera l'épisode là-dessus. C'est la Blitzkrieg, mais là c'est vraiment la Blitzkrieg quoi. Tiens, l'étoile, le prince Frédéric. Hop, tiens, tu vas aller. Ils sont tous là-bas, ils sont en train de se dire ah, on perd pas trop là-bas, c'est bien. Ouais, mais le reste, c'est pas pareil. Hein. Comment dire que le reste, c'est pas fameux. Hop, l'Albanie c'est fait. Voilà. Ici, on va reconquérir. Ouais, il y a de la reconquête là, ici quand même. Mais bon, y a plus Paris. Pays-Bas révolutionnaire, comment ça encore? Non mais ils arrêtent pas eux. Ça commence à être embêtant la longue. Hop là. Voilà. Ouais, de temps en temps, bah, il y a des pays comme ça qui ont du mal avec, avec leur gouvernement en place. Et qui arrêtent pas de faire des révolutions, ça c'est embêtant. Oh, bien. Ok, Portugal, on va encourager. C'était occidental ou oriental? Ça doit être oriental. Ouais, on est nazisme. Bon, bon c'est toujours ça de près, hein. Avec la production d'électricité que j'ai actuelle, ça augmente la consommation de pétrole. Elle est où d'ailleurs l'électricité? T'es pas là? Ah non, elle est là. Ah, ça va au final, hein. On n'exporte pas. Heureusement que j'ai la Dalmatie avec son bonus de production de 15%. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le... Comment ça s'appelle? Voilà. J'ai publié la campagne Terre d'accueil en Dalmatie pour vraiment augmenter l'attractivité migratoire. Il faut un maximum de travailleurs pour travailler dans les... Dans les centrales électriques ici. Ok, comment ça se passe? J'en ai loupé un ou il m'en manque une? Ah, la Grèce, ouais, d'accord, ok. Et la Grèce, bah si, c'est bon, la Grèce, ils sont conquis, non? Voilà, la Grèce est devenue un autre de mes pays fantoches. Ah, c'est magnifique, regardez ça. Et avec la France, ce sera le pompon. Et voilà. Dans. Bon, ça a même pris un petit coup de bug hein, là sur le coup. Le jeu il a pas trop compris. Et regardez-moi ça. Oh, c'est typa magnifique cette carte. Franchement. Elle est pas parfaite, mais elle est en bonne voie. Allez, c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Là, on a passé la deuxième, là, depuis deux épisodes, on a passé la deuxième, on conquiert bien plus vite, et on va pas s'arrêter là, on va continuer en bonne voie. Sur ce, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. C'était Tiob. Ciao!